Je pense qu'il faut le faire comme ça parce qu'en le passant à l'envers, ça va faire stylé. Faut faire une bonne attaque en fait, faut faire un. Comme ça va faire. Tu vois ou pas? Ok. Oui, bonjour. Il est bientôt 10h du mat et je m'apprête à partir pour le studio où on va retrouver Théo et Antoine pour faire ce ravalement de façade de pimp. On va voir ce qu'on va faire. Théo a plein d'idées, j'ai eu pas mal d'autres idées aussi et on va faire en sorte que ce soit stylé. Et regardez-moi cette chemise hawaïenne, regardez-moi ça, regardez-moi cette tête pas très réveillée, regardez-moi ce contre-jour. Oui, bonjour, excusez-moi. À plus tard. Il est là, le sauveur. Je trouve que le refrain il pète pas assez. Ouais, ah oui, carrément. Même si ça c'était sympa. Oui, oui. Et t'as pas essayé d'un piano dessus? Même pas, j'ai même pas essayé. C'est hyper sexy un piano là-dessus. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, je trouve que la base est intéressante, mais qu'on n'est pas allé au bout d'un truc, tu vois. Complètement. Complètement. Mais nous allons le pimper. Ouais, vous êtes un peu le. Générique. To get a pimped out ride. Petite précision, Lula est actuellement en Belgique et ce qui veut dire qu'on va devoir jouer avec la contrainte que il faut qu'on utilise les voix de Lula qui sont déjà enregistrées. Sauf si j'imite à la perfection Lula. Chut, il faut pas le dire. Parce que aussi, ouais, je trouve que dans l'arrangement, on n'a pas su trouver, tu vois, le truc qui fait que c'est un peu dark. Comme sur moi. Je suis dark comme garçon. Oh, on va faire des petites guitares et tout. Ouais, 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 grave. Il y en a ici. Ah, oui. Trop bien. Oui, oui, oui. Des petits arpèges réverbérés, ça irait bien dans un trap. Trop hâte. T'as une guitare manouche, une guitare folk et une guitare électrique. Génial. Ouh, voilà. Ok. Vas-y. On fait le beat en premier? Ouais, batterie basse. Ok. Même si il y avait déjà une bonne basse, mais on va retaker tout ça. Oui. Et après, on va harmoniser, on va trouver des petites mélodies de synthé directement et après, on fait les voix. Trop bien. On va faire du ravalement de façade. Là donc, on s'occupe du rythme trap. Oula. De la prod en 2 heures que nous avions fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens qu'on a fait une musique en 2 heures, toi et moi? Je me rappelle. On est aujourd'hui dans un cadre extraordinaire avec Éléonore et Lou. Tu veux rire? Oui. Bonjour. Arrête. Oui. Pour composer une chanson en 4 heures. En 4 avec heures. Le piano OnePlus, c'est un piano fait de smartphone, tu peux voir ici. C'est du téléphone. Ah oh, putain. En vrai, ça sonnait pas si mal. Hein. Mais c'était cool. C'était pas si nul. Hein. Non, mais j'avais kiffé. Hein. La basse. Je retente encore là, non c'est tout. Mais essayons. Nous faisons tous les codes du rap. Nous pratiquons les codes du rap. Nous pratiquons. Là par contre le kick on va le savager hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ça le petit kick. Il est tout mignon. Mais Mais parce que ouais, t'as raison, c'est vachement mieux de faire péter ce moment là, de l'assumer vraiment en fait. Ah bah ouais, ouais. Calmer un peu le jeu sur le refrain. Chargez le kick! Chargez le kick! Kick bon pour de la trappe! C'est le kick que j'ai renommé. Il est bon pour de la trappe. Au pire, on peut peut-être. Là, on est en train de tenter de casser la structure et de supprimer un passage pour le mettre, soit l'enlever, soit le mettre à un autre endroit. Parce que ce qui peut nous mettre dans le caca, c'est de s'en tenir absolument à ce qu'on a fait niveau structure, alors qu'en fait, on peut déplacer des trucs un peu comme quand on fait du montage et qu'on met tel moment avant un autre et tout ça. Je pense que c'est ça qui peut nous aider à sortir de ce qu'on a fait, à proposer autre chose. Vous sortez la guitare à ce que je vois. Wow. Oh là là. Ça c'est PNL. Mais tellement. T'es prête? Ouais. Yeah.
terminé. Merci. Bonsoir. Ça, c'est ridicule. Et voilà, c'est dans la boîte. Un c'est peu. Dans la boîte. Mm. Il reste un petit truc ou pas? Un tout petit truc que tu vas travailler et ça va être bon. Merci beaucoup, vraiment Théo, merci beaucoup. Tu gères, mais grâce gère, à toi. C'était trop cool. Merci, c'était trop bien. Voilà, donc Lula a pas pu nous appeler malheureusement parce qu'elle était vraiment occupée. Et en fait, elle nous aime pas, c'est ça l'histoire. Je pense qu'il y a de ça. Je pense. Franchement, on est trop contents. C'était trop bien. Mm. On a même pas, j'ai même pas mangé. De la journée. C'est vrai. Ouais, j'ai mangé à 17h. C'était trop bien. Le mec est un malade en fait. Yes. On est très fatigué. Je crois que j'ai une veine sur mon front. Ah non, c'est mes cheveux. Je pensais que j'avais une veine de fatigue. Oui. C'est genre la meuf qui fait un café. Merci en tout cas Lou. Et à bientôt j'espère. Merci Théo. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut Lou. Bon bah du coup, je fais cette petite vidéo bien après qu'on ait tourné cet épisode de Pimp My Music. Non, j'étais tellement contente de cette expérience ensemble et malheureusement on a tourné ça, ou heureusement j'en sais rien, avant le confinement. Et maintenant, quand j'ai écouté la chanson, ça m'a tellement fait du bien de me replonger dans cette journée qu'on a passée ensemble. Voilà, et comment t'as pu retravailler un peu, enfin un peu carrément même, les petites choses qu'on s'était dites en fin de journée, parce qu'on n'avait pas eu une journée non plus totalement complète. C'était juste avant que je fasse mon concert et du coup ça avait été un peu compliqué. Beaucoup de fatigue, beaucoup de rire, beaucoup de tout. Et sinon non, je suis juste trop contente d'avoir fait ça avec toi, j'espère vraiment en refaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu à tous. Je vous fais des gros bisous. Salut.